Bonjour à tous les Pokéfans, c'est Pokéan5, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 39e Poké News sur Pokéan Soleil et Lune. Allez, c'est parti. Noix de coco gagne une nouvelle forme. Perd le type Psy, mais gagne le type Dragon. Pas trop. Goupix et Fenard deviennent de type glace et fée pour la forme d'Alola et gagnent leur... Le talent Rideau Neige. Ils sont très très beaux. Sablette et Sablero aussi, mais ils gagnent le type glace acier dans leur forme d'Alola avec Rideau Neige aussi. Ensuite, Plumeline avec sa forme Flamenco Feu Vol, Pom Pom Électrique Vol, Oula de type Psy Vol et Bayou de type Spectre Vol. Très très stylé je pense. Meteno, le Pokémon Roche Vol avec la capacité spéciale Bouclier Carcan qui, lorsqu'il perd 50% de ses points de vie, gagne une nouvelle forme. Argus, la forme évoluée de Manglouton, qui a les mêmes capacités spéciales que celui-ci, mais en... voilà. Toujours de type normal aussi. Mentis, je crois que ça s'appelait. Je crois que c'était Mentis. Mimantis et Floramentis, des Pokémon très stylés. Avec Floramentis pourra connaître l'attaque Lame Solaire, une attaque très puissante dont j'ai très très envie d'essayer. Thiboudet, la pré-évolution de Bourinos, toujours de type Sol, moche, bizarre, mais voilà. Les Pokémon tueurs nous pourront monter plein de Pokémon un peu à la Pokémon Ranger, mais les Pokémon ne seront pas dans notre équipe. Les capacités Z sont je vais vous mettre ça en fond. Les capacités Z sont des attaques dont le type du Pokémon dépendra du type. Par exemple, si vous avez un type O, l'attaque Z sera de type O. Et il y avait d'autres informations. Il y avait Pokémon Tour, les nouveaux Pokémon, les formes d'Alola. Je crois que c'est tout. Bon, je vais vous laisser là. J'espère que vous allez bien. Je suis con. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si vous voulez. Vous pouvez me suivre dans les réseaux sociaux qui sont en description. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Pokécan 5, fin du Poké News.